Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Difficiles Aventures. On se retrouve dans un endroit un petit peu étonnant avec un magnifique plafond de bouse du plus bel effet et un sol en herbe pas mal aussi. Mais où sommes-nous donc? Peut-être que vous reconnaissez, enfin si vous reconnaissez vous êtes fort, mais peut-être que vous devinez avec ce que l'on voit derrière moi. Eh bien effectivement, en fait, nous sommes au spawn, nous sommes sous la gare abandonnée. Là-bas, il y a notre usine à fer qui produit moult lingots. Et puis ici, voilà, on découvre le sol de la gare abandonnée, avec par là tout ce qui soutient les voies ferrées qui ne sont pas tout à fait terminées encore. Mais il y a eu pendant les vacances et même avant les vacances plein de lives sur les difficiles aventures. Et du coup, j'en ai profité avec Scarjack et Ger pour faire du terraforming autour de la gare abandonnée. Et du coup, maintenant, on a un sol qui est nettement plus agréable à regarder quand on arrive à la gare abandonnée. Et du coup, j'ai pu filmer tout ça en timelapse. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et il me semblait qu'on avait un endroit, un tout petit passage. Ah oui, voilà, c'est là. Qui va vous permettre de voir un tout petit peu le rendu final. Plop, voilà, vous n'avez pas vu grand-chose. Je vous laisse maintenant avec le timelapse. Ça devrait vous donner une meilleure vision de ce qu'on a construit en live. Allez, on se donne rendez-vous tout de suite après. J'espère que la cinématique vous a plu. En tout cas, nous avons adoré construire ce terraforming. En plus, on s'est plutôt bien débrouillé, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de trop d'essais pour réussir à faire quelque chose d'assez correct. Et vous voyez, quand on se balade, l'environnement est plutôt sympa. On se disait qu'il tranchait un petit peu avec la nature vraiment de la génération de Minecraft. Essentiellement, peut-être parce qu'il y a beaucoup de fleurs ici. Il y a aussi des bouleaux, il y a quelques sapins que j'ai à planter qui ne sont pas normalement naturellement dans ce biome. Et je pense aussi que ce qui fait beaucoup, c'est l'éclairage. L'éclairage est très présent parce qu'on voulait pas être trop gêné par les mobs. Et du coup, c'est vrai que là, je tourne de nuit et du coup, ça se voit bien. Mais c'est vrai que ça choque. Enfin, c'est pas que ça choque, mais ça change un peu par rapport à une génération naturelle. Mais bon,
Ça rend super bien et du coup la gare abandonnée maintenant a son terraforming qui est plutôt sympa d'un côté. Par contre de l'autre, eh bien ça sera sûrement l'objet d'un autre live parce que vous voyez que bah, ça vole toujours. En fait par ici, hein, on n'y a pas touché. Donc il faudra faire à peu près la même chose d'un côté et de l'autre. Et puis ce qui reste à faire, eh bien tout simplement c'est finir la gare. Par ici, hein, ça n'est pas encore terminé. Il y a tout un. Déjà, il faudra enlever ça parce que ça, c'est un vieux chemin qui menait à ma base personnelle que j'ai abandonné depuis. Il faut finir ici aussi. Voilà, ça, c'est pas terraformé. Donc voilà, il y a du boulot encore et ce sera l'objet de prochains lives. Mais en tout cas, la zone qui est par là, elle est où? Elle est bien terminée et je vais pas trop m'avancer. J'ai vu un creeper, donc je vais le laisser tranquille. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers un autre projet qu'on a pu mener en live. Deux lives pour être exact, nous allons aller en Égypte et vous allez voir qu'il y a aussi énormément de travail qui a été fait là-bas pendant qu'on admire toujours la petite roulotte de Ger qui s'était installée là lors de son arrivée sur le serveur. Allez, on se donne rendez-vous en Égypte, à tout de suite après le timelapse.
Alors voilà, on se retrouve en Égypte après ce timelapse. Un timelapse en fait qui regroupe deux séances de live, donc 2 fois 3 heures à peu près, hein, où Skarjack et puis Juju ont pu participer avec moi à la construction de ce vaste quartier. Pour rappel, hein, vous l'avez vu au tout début, ici il n'y avait rien, il n'y avait juste de l'herbe, quelques chemins, on a déplacé les chemins, et puis ensuite voilà, on a construit comme vous l'avez vu. Donc on se trouve en fait sur les remparts ici. De ce côté-là, on a une zone que j'avais aménagée il y a longtemps maintenant, qui est des bourgs, comment dire, hors de la ville, qui sont pauvres, qui sont au bord de la rivière et pas loin des champs irrigués. Et donc là, on se retrouve dans un quartier un petit peu plus riche parce qu'il est dans la cité, il est à l'abri des murailles, mais c'est quand même un quartier populaire, hein, c'est pas encore le quartier riche égyptien. Donc voilà les petites demeures qu'on a construites qui sont juste à côté des remparts. Là, les remparts servent aussi de terrasses. Il y a plein d'endroits où on peut descendre. Ah, pas là, tiens. Il y a plein de petites zones qu'on pourra aménager à l'intérieur, et on pourra aussi rajouter des petits éléments de décoration, des alambics, pour faire comme s'il y avait la possibilité de prendre le thé sur la terrasse. Il y a plein de façons de monter, voilà, et de descendre avec des petites échelles. C'est vraiment un labyrinthe. Ici, il y a toujours le beacon qui est caché, mais que je pourrais enlever pour le mettre ailleurs, et du coup ça permettra de finaliser ces intérieurs là. Voilà, il y a plein de petites boutiques, ça c'est notre petite réserve de coffres, voilà, qui est en bazar, il faudra ranger tout ça. Par ici, c'est très très sympa. On a plein de petites ruelles cabossées dans tous les sens. On arrive, voilà, il y a aussi des ruelles par ici qui mènent directement dans des intérieurs. Enfin, c'est très très pittoresque, très petit, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a ici un puits que Gère a construit. Gère qui nous a rejoint sur le deuxième live, si ma mémoire est bonne. Et donc du coup voilà, on a plein de petites boutiques comme ça qui sont le long des axes principaux. Les maisons débordent aussi sur les routes. Non, c'est très sympa. Il faudra finir ça, c'est-à-dire rajouter de la décoration intérieure, rajouter quelques bannières, il en manque un petit peu, rajouter des enseignes, et au final mettre les villes à joie. Mais regardez, quand on se balade dans la cité, ça donne plutôt bien. Là, on avait déplacé cet axe qui auparavant n'était pas face à la porte, mais du coup, quand on arrive, on voit bien cette porte, elle se dégage. Même si l'arbre, qui est joli, cache un petit peu la vue, c'est pas grave, ça met quand même en valeur cette grande porte, qui permet de sortir et d'aller vers les champs, vers la zone du désert qui est par là-bas, vers le Sphinx. Mais on peut aussi, quand on revient dans ce sens-là, prendre à gauche. Là, on a une zone de stockage avec des caisses. Et puis, on peut traverser la montagne. Donc, il y a un tunnel qui a été bien aménagé, qui rend vraiment, vraiment sympa à travers la roche. Et qui nous permet d'arriver directement sur cette petite terrasse en surplomb du port. Et du coup, après, voilà, on peut descendre tranquillement et on arrive sur le port, et ça c'est plutôt cool. Donc ce quartier, vraiment, il a pris vie. Et même si on a fait cette petite terrasse, on a gardé l'écurie qui est dessous. Là, on a ce petit pont qui permet de partir sur la digue et de rejoindre avec le chemin de rejoindre le phare. Mais voilà, tout s'est très bien goupillé. On a vraiment un truc dense, quelque chose de dense, et pourtant qui rend bien. Alors il reste des petites choses à aménager. Je vous ai parlé des intérieurs, mais il reste aussi des petites choses à l'extérieur. C'est-à-dire que cette colline, il est logique qu'elle soit accessible avec un chemin. Donc il faudra qu'on construise un chemin là qui monte et qui sert de tour de guet ou simplement de poste d'observation. Et puis du coup, comme on a creusé un tunnel ici, il faudrait aménager la zone par ici. Vous voyez ici, je pense qu'il y aura des maisons pauvres qui seront le prolongement de ce quartier-là, et qui feront justement comment dire, la jonction entre le port et le quartier de la rivière. Et du coup, je pense que la muraille, il faudra la prolonger pour l'intégrer à cette colline, ici, la flanc de colline, parce que sinon, des assaillants pourraient grimper sur la colline et dépasser complètement le système de défense de la ville. On a aussi cette petite grotte qu'il va falloir combler, je pense, parce que vous voyez là, le bois, c'est le tunnel. En fait, pour faire le tunnel, on a déjà comblé la moitié de cette petite grotte intérieure. Donc, voilà.
Donc voilà pour les constructions qu'on a fait en live sur le quartier égyptien. Et du coup, ce que je pense, c'est qu'on va se retrouver très rapidement pour finir l'épisode dans la zone contemporaine où j'ai fait quelques petites modifications, quelques petits arrangements. Et puis on a aussi quelques petites plaques d'immatriculation à mettre, étant donné tous les commentaires que vous m'avez apportés dans l'épisode précédent. Donc on se retrouve dans la zone contemporaine, à tout de suite. Et nous revoici donc devant la plage de la zone contemporaine. Alors ça, on avait aménagé tout ça dans l'épisode précédent. En plus, ça vous a bien plu. Il y a eu beaucoup, beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, beaucoup de petites idées. On essaiera de mettre tout ça en place quand on continuera les aménagements de la zone, peut-être au prochain épisode. Mais là, je voulais terminer en vous montrant, eh bien, ce que j'ai pu faire dans le petit timelapse qui a servi d'introduction à l'épisode, c'est-à-dire aménager bien cette partie-là de la plage. Donc, j'ai continué à faire à peu près la même technique de l'autre côté. Ici, on se retrouve sur une digue. Je voulais, pour fermer cette grande plage ici, faire une petite digue. Et du coup, j'ai repris le même pattern qu'en face, là où il y a les palmiers. Et je pense qu'ici, je mettrai aussi des palmiers. Mais ce sera pour un petit peu plus tard. Et puis voilà, on a quelque chose d'assez travaillé qui donne pas mal. Ça va nous faire pas mal de serviettes à poser pour compenser toutes les petites torches. Et puis vous voyez qu'on a un petit peu plus de place que de l'autre côté, donc on pourra sûrement se mettre des aménagements que je n'ai pas mis de l'autre côté, genre la petite cabane des sauveteurs. Je pense à ça essentiellement. Depuis la fin du timelapse, j'ai juste retravaillé un tout petit peu ici la descente, même si, bah, comme vous pouvez le deviner ici, ça n'est pas tout à fait terminé. Mais au moins, c'est un petit peu plus propre que ce que j'avais laissé à la fin de la petite cinématique d'intro. Et donc, je voulais finir l'épisode avec plusieurs petits éléments pour améliorer le marchand de glace. Il vous a plu, je pense qu'il vous a plu, vu les commentaires très sympas que vous m'avez donnés. Et puis, vous avez eu quelques idées pour améliorer, notamment rajouter un levier. Alors, l'idée au départ, c'était de rajouter deux, mais là, je peux pas en rajouter parce qu'il y a la bannière du marchand de glace qui gêne. On va juste rajouter un levier par ici, voilà, comme pour soutenir le petit auvent, voilà. Et effectivement, c'est une très bonne idée, ça rend très bien. Et puis pour la plaque, alors pour la plaque, vous avez eu énormément d'idées, donc je ne peux pas malheureusement tout mettre. J'ai trouvé que l'idée de mettre ice pour ice cream, c'était une bonne idée. Ensuite, vous m'avez proposé, vous êtes plusieurs à m'avoir proposé ce petit symbole pour faire comme une glace. Et enfin, c'est Greby qui m'a proposé de mettre van pour faire comme vanille ou comme le van, eh bien le véhicule. Donc voilà pour la petite plaque. Donc j'ai essayé de faire au mieux, j'ai mélangé plusieurs de vos idées qui étaient super sympas. Et du coup, je mets encore le petit cornet à l'envers, mais voilà, c'est mieux dans ce sens. Voilà, notre petit van a sa plaque d'immatriculation. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, il a été très très long à tourner, mais ce fut un grand plaisir de le tourner en votre compagnie au travers des différents lives qui ont eu lieu. Encore une fois, rien que pour ce que vous avez vu, donc l'Égypte plus la gare abandonnée, il y a déjà au moins 9 heures de live. Et il y a encore tous les lives qui ont eu lieu pour Halloween dans la zone d'Halloween que je n'ai pas encore monté en timelapse. Et il y a aussi également les lives au-dessus du pont, le pont de la zone contemporaine, le pont qui est par là-bas, là, dans la zone industrielle, qu'on a bien, bien, bien continué avec Greby, Scarjack et Ger. On a même commencé un rond-point gigantesque. Mais tout ça, je vous le montrerai eh bien dans d'autres épisodes ou quand on aura continué la progression de ces constructions en live. Merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser encore plein de commentaires, les petits pouces qui vont bien et tout comme vous le faites, à partager la vidéo. Les difficiles aventures sont de plus en plus connues et ça me fait extrêmement plaisir. Donc je vous remercie encore. D'autant plus qu'on atteindra... Aïe ! Et puis je me prends... Il est où ? Il est où ? Il est là, celui qui m'envoie une petite flèche dans le derrière. Naméo !
Oui, c'est pas encore tout à fait éclairé de manière très optimale. Je voulais conclure en disant donc que nous approchions sur ma chaîne des 2000 abonnés et il n'est pas exclu que je vous fasse peut-être, suivant les conseils des autres aventuriers, que je vous fasse une petite FAQ pour les 2000 abonnés. En tout cas, si ça devait arriver avant le prochain épisode, je tiens d'ores et déjà à vous remercier de votre fidélité. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles difficiles aventures. Salut, salut!